actuellement. Allez, allez. Alors. Geneviève, voilà. Geneviève, fais l'heure. Tu me mets ça comme ça, toi tu vas regarder. Tu vas regarder tes dessins dans la chambre. Non, il n'y a pas de dessin. Bon, de la scar, tu regardes la scar. Oui, tu vas voir la scar. Oh, 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 oh. Natacha, mon azouta. Viens t'asseoir ici, ma fille. Oh non, non, non. Je t'apprends. Viens t'asseoir, là. La vieille mère va t'apprendre. Parce que vous, là, vous êtes souvent qu'il faut toujours que vous venez provoquer les gens. Oui, c'est fait l'heure. Fait l'heure, c'est avec deux L. Pas fait l'heure. J'ai dit fait l'heure. Enlève Geneviève. Geneviève, fais le, pas Geneviève, voilà, Geneviève, fais le, non, le, regarde, tu as écrit Geneviève, je dis Geneviève, Geneviève, efface déjà, fais le, attends, je te montre, voilà, regarde, efface. Mais Nathan, arrête. Arrête d'être paresseux. Geneviève. Oh, arrête, maman. Bon, Geneviève. Attends, tu écris. Après, tu mets I. Vi. Quoi? Vi. I. Pas gris. I. I. Tu écris le I. I. Geneviève. V. Non. Geneviève. Geneviève. Fais-le. Fais-le. Fais-leur, c'est F, voilà. Fais-leur. Fais-leur, c'est avec, c'est comme c'est. Fais-leur, non, fais-leur, c'est en anglais, tu lis F-A. Fais-leur, avec deux L. Efface-moi les. Voilà, efface, donc, voilà. Voilà, voilà le fais-leur F avec A, 2, 8, c'est en anglais. Efface A. Mets le A. Voilà, tu écris le A, ok. A. Voilà. Avec deux L, fais leur. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. T'as vu? T'as vu, c'était pas sorcier. En fait, comme c'est. On lit en français, les français, mais après c'est l'anglais. Wow, 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 wow. Envoyez les carreaux, partagez, partagez. Je ne sais pas partager. On fait comment vous partager? Je te donne mon cœur. Aide-moi. Alors, il faut que je me fasse ça. Mon soutien. Bon, je vais, en fait, envoyez-moi les cœurs et partagez. Parce que le direct, là, ça va framponner. On va framponner sur le direct, là. Et je ne vais pas être gentil, hein. Taguez-moi qui... Taguez-moi... Comment elle s'appelle? Après, même, ne la taguez pas. Moi, je passe mon message... Après, elle va être au courant que franchement, elle commence déjà à être folle en fait. Parce que quand tu as un concept et que ce concept-là va au détriment de la destruction du monde et de la jeunesse, on devrait en quelque sorte intervenir d'une manière ou d'une autre. Lorsque on a, les possibilités. Ne restons jamais les bouches fermées lorsque des personnages, je peux appeler ça comme ça, viennent sur Facebook, viennent dans les réseaux sociaux pour détourner les gens, vendre le rêve aux gens, aux enfants des gens. Moi, je suis dans une lutte acharnée avec ces gens-là, les promotrices de piment, c'est-à-dire... Je ne manquerai jamais, je ne cesserai jamais mon combat. Et j'ai toujours été contre.
contre ça. Et lorsque quelqu'un se lève le matin, on s'en fout. Moi, je l'ai dit hier, hein, on s'en fout de la vie des uns des autres. Tu peux faire de ta vie, de ton corps, ce que tu veux. Mais ne pense pas que c'est quelque chose qui te valorise. Au moment où, c'est-à-dire, vous voyez, les jeunes camerounaises, les jeunes veulent se battre pour s'en sortir. Et une jeune dame comme ça se lève le matin, elle raconte que la prostitution, c'est une bonne chose. Mais non, c'est-à-dire, je suis dans une guerre acharnée. C'est-à-dire, je ne vais pas être gentille avec elle, hein. Je ne suis pas sauvage non plus, je ne veux pas me mettre à l'insulter. Mais je vais employer les mots durs. Je sais qu'elle, c'est promotrice là parce qu'elle n'est pas la seule. Mais comme elle, c'est elle qui veut prendre le maillot jaune en ce moment, elle aura quand même. Je veux lui donner la main. Que bon, comme le maillot jaune que tu veux un concept, tu veux ça. Qu'on t'appelle la reine, la promotrice de la prostitution. Donc, ça veut dire que lorsque tu es dans un foyer, non. Toi, t'es rien du tout. Il faut absolument faire la prostitution pour que tu sois heureuse. Moi, je te dis, Natacha, tu es vraiment à côté de la plaque. Ça dépend de ce que tu appelles être heureuse, en fait. Être heureux, c'est Dieu qui rend les gens heureux. Après, je ne sais même pas si tu es chrétienne. Mais il me semble, parce que tu as les pieds et les mains comme les nous autres, je sais que le diable n'a jamais créé personne. Le diable n'a jamais créé personne. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et te lever comme ça, une jeune fille, prendre ce maillot jaune, l'ancien métier de tous les temps, un métier où tu penses que en fait, dans ta tête, parce que c'est dans ta tête. Quand je t'observe, à 1000%, ma chérie, Chalé a un problème. Et tu le sais. Tu le sais. Tu as déjà montré tout ce que tu voulais montrer sur Facebook. On n'a rien dit. On a dit, ah, ton piment a réussi. Tu as déjà, je ne sais pas, les voitures, oh. Et les dada, oh, on te suit. Parce que si je dis que je ne te suis pas, mais pas comme tu crois. Je peux passer comme tout à l'heure, là, tu faisais un direct. Je t'ai vu en train de t'exhiber sur Paris, dans un hôtel. C'est bien, oh, ma chérie. Mais garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Tant que tu sais dans quelles conditions tu t'es retrouvé là-dedans. Peut-être que ce sont tes parents qui t'ont emmené là-bas. Peut-être que tu t'es fabriqué ça dans ton piment. Peut-être tes copines côte à côte t'ont amené. Ouais. Maintenant, tu arrives alors sur Internet où même les enfants de 10 ans, même les enfants, tout le monde est censé, chaque enfant est censé avoir le téléphone. J'ai mon fils, parfois, il vole mon téléphone. Il se met à regarder. On voit, on dit, oh, voilà une Camerounaise, une tata. Est-ce que à un moment donné, tu te rends compte, en fait, de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es consciente de ce que tu fais? Je ne sais pas. La seule chose qui t'importe, c'est les hôtels. Et être paysanne, c'est quelque chose. Ouais, ma fille, la pauvreté morale, c'est quelque chose. Parce que lorsqu'on a la pauvreté morale, il suffit seulement qu'on touche le million, on devient fou ou folle. Ouais, la pauvreté morale, c'est quelque chose. Oh. La pauvreté morale, c'est quelque chose. Je ne sais pas comment. La pauvreté morale, c'est quelque chose. Parce que une fille comme toi, comme ça là, moi j'appelle ça de la pauvreté morale. De la vraie pauvreté morale, ma. Franchement, fais très attention, hein. Parce que tout le monde entier te regarde. Fais très attention, tes enfants te regardent, tes enfants vont grandir.
Ne pense pas que comme tes enfants sont encore tout petits, tu vas venir détruire les enfants des autres. Il y a tes soeurs qui ont des filles qui sont déjà à l'âge de la puberté. Et toi, tu veux les amener à vendre le piment. Moi, je te dis que je t'ai dit, je veux m'acharner sur toi. Tu as dit en feu et en sang. Je te dis, non, ce n'est pas une question de que c'est ta soeur, ce n'est pas une question de fille et quand. Moi, je n'entre pas dans l'histoire des écarts, machin. À chaque fois, tu as dit, je mène toujours une guerre acharnée sur les femmes. En fait, le piment, faites votre piment là-bas, inbox, dans sort, faites ça là-bas. Si vous voulez, vous remplissez, je ne sais même pas, vous t'as dit, faites de ça ce que vous voulez, mais ne viens pas nous salir. C'est-à-dire, tout un Cameroun, tu t'assois là. Ouais, ma chérie. Au début, regarde, quand tu arrives, on t'a connu les autres, tu avais les petits seins. Maintenant, tu as augmenté le volume de tes seins. Maintenant, tu es déjà comme les gilets de sauvetage. Que si on te jette derrière mon canal là, tu vas commencer à planer. Parce que tu veux le volume. Tu veux ressembler à une poupée. Une poupée gonflable, comme les poupées que les blancs achètent partout. Les blancs, est-ce que tu te rends même compte de ce que tu es en train de faire? Le blanc, il fabrique les poupées avec la chatte. Maintenant, toi, qui t'as dit la respiration, le souffle de vie que Dieu t'a donné gratuitement, tu te dis, je deviens une poupée, alors que tu es un être humain. Je deviens un objet, alors que tu es un être humain. Donc, tu vas commencer à... Tu es déjà comme le gilet de sauvetage qu'on jette, quand les gens qui ont regardé le film du Titanic, comment les gens qui mouraient, donc c'est comme ça que tous tes clients sont dans le sauvetage. Gilet de sauvetage, et tu appelles ça, et tu arrives à ça, tu peux faire quelle promotion? Promotion de quoi? Dans quoi? Le piment, c'est l'un des anciens, le métier le plus ancien du monde. Je sais que tu connais la Bible, je sais que tu connais Dieu. Tape sur Google. Tu demandes à Google, quel est l'ancien métier, le métier le plus ancien du monde? Google va te répondre que mais c'est le piment. C'est-à-dire, dans ta tête, tu te ramènes à 1900, ouais, avant Jésus-Christ. Et toi, tu penses que soit tu es trop, je sais pas ce que tu es, ce qui ne va pas dans ta tête là, dans ta ciboule de merde là. À part les faux seins, ma chérie, Dieu t'a donné un beau petit visage. Maintenant, tu vas le détruire. Parce que lorsque le Titanic a sombré, maman, quand tu vas sombrer, tu ne vas pas nous dire ce que tu subis là-bas. La seule chose que tu nous montres, c'est que tu es dans un hôtel, dans de machin étoile. Mais doudou, avec ta mauvaise voix, quand tu vas apprendre, t'as dit que franchement, ou c'est le banga que vous prenez souvent quand vous faites ça. Ou c'est, je ne sais pas, ou c'est le banga. Ou c'est quoi même qui vous dérange même souvent comme ça là. Tu t'assois. Hein? Mais ça, tu as dit que tu as trop d'argent. Depuis que Coucou a besoin de toi, tu es à Paris là. Vraiment. Même le virement de 1000 euros, c'est là où on connaît que lui le piment donne. Vous les pimentiers, on vous connaît. Une pimentière, même si ton père meurt, que tu pleures à côté d'une pimentière, elle ne va jamais te donner 5 francs. Vous qui la suivez là, elle vous promet qu'elle va ouvrir l'agence. Moi, je savais qu'à un moment donné, elle est une proxée. Elle cherche comment faire son marché pour utiliser les gens. Une merde comme ça, elle vient sur les réseaux sociaux pour faire l'esclavage sexuel, c'est-à-dire aux yeux, aux vues de tout le monde. Et les gens la suivent et on la laisse tranquille. Moi, j'ai dit que je vais te craquer. Dès que j'ai un peu de temps, comme c'est les vacances, c'est mon gamin, mon fils, il est autiste. Et dès que j'ai un peu de temps, maman, toi, tu ne vas pas venir à ternir l'image des filles valeureuses, les femmes qui se battent. Et moi, je vais te dire que une femme baille en salam du Cameroun est plus heureuse que toi. Une femme de ménage en Bénin est plus heureuse que toi parce que tu ne vas pas nous dire ce que tu subis. Tu ne nous diras pas de ce que tu subis dans tes chambres de merde là avec tes hommes de merde. Une jeune fille, on ne sait pas tes clients. Tu t'as dit tes maris que tu as là. Peut-être, si on voit même les gens là, comment ça m'entend? Une belle jeune fille comme toi, tu dis que tu as 30 ans.
c'est quelle vie? Je ne peux pas te dire de donner ta vie au Seigneur, maman, parce que tu connais Dieu. Et tu sais ce qui va t'arriver. Moi, je te dis et je te garantis que, comme tu t'assois dans le réseau, fais ton piment, fais ta promotion de ton... Tous les enfants, les filles, les gens que tu vas détourner, je te dis que la croix qui va s'abattre sur toi, je te le dis, fais tes choses. On ne sait pas comment tu as fait pour te retrouver là-bas. Nous n'étions pas là. Ou c'est ta mère qui t'a amené, ou ce sont tes tantes, ou ce sont tes copines. Ou parce que, mais fais ça là-bas. Ne viens pas détourner les enfants des gens. Tu comprends, non? Moi, je te le dis, et je vais te craquer tous les jours. Moi, je ne vais pas m'asseoir là pour t'insulter parce que vous, les pimentiers là, vous croyez que dialoguer, ça veut dire que les gens vont... Moi, je n'insulte pas, je te dis, je te fais asseoir. Parce que, comme tu dis, tu es une petite sœur à moi. Et je te dis, arrête un peu tes conneries de merde là. Va faire tes conneries là-bas en silence. Personne ne viendra te demander quoi que ce soit. Tu comprends? Et ne viens pas salir l'image du Cameroun. Et ça dit, ça va dans le même sens avec tes collègues et tes clients. Laissez même la langue bêtise. Quand vous faites votre saleté là, arrêtez, parlez en français. Si vous êtes trop intelligent, parlez même en allemand. Laissez la langue bêtise. Tu arrives là, tu veux te connaître. Tu as trop d'argent et tu veux te faire connaître à travers quel genre de concept? T'es rien du tout, t'es une merde. Tu n'as rien. Alors tu fermes ta gueule, tu fermes ton anus, tu fais ton piment là où tu le fais, mais tu ne vas pas venir mettre à l'incontournement. Bon, je te le dis, parce que moi, je veux m'acharner, j'aurai une guerre, je veux m'acharner sur toi, et à chaque fois que je veux me lever et que je veux penser, toi, Natacha de Monazout, je te le dis, parce que franchement, tu commences déjà à saouler les gens, personne ne t'envie. Moi, je vais te dire ça. Une femme qui fait son ménage ici en Belgique est mieux que toi. Parce que t'es qu'une merde. T'es qu'une merde. Le piment, c'est un ancien métier, mais c'est pas un métier qui... Le piment n'a jamais été valorisé. Jamais. Mais nous le savons tous. Voilà pourquoi tes arrières qui ont eu à pratiquer ce métier ne se sont jamais exhibés. Oui, je suis la promotrice du piment. Moi, je te comprends bien, mais je te dis, prends la Bible, lis la Bible, essaye de t'asseoir comme ça, tu dis, ma vie en est où? Je me retrouve où? Parce que là, franchement, tu commences à nous sortir par les narines. Tu comprends? C'est pas, tu commences à sortir, tu crois que quand les Antoine Bachon, machin, te font les partages, c'est parce que tu es quelque chose. Une fille même qui dit qu'elle a l'argent, elle n'est pas au Cameroun, elle va s'afficher avec le père. Tu as même quel âge? Moi, Longue, c'est un père, c'est ton père. Tu sais, toi, tu cherches le banzizi même. Va chercher, il y a les millions de garçons au Cameroun. Il y a les millions de petits garçons de ton âge, oui, qui ont l'argent. Tu vas t'asseoir, tu cherches quoi? Et tu vas montrer au monde entier que tu as l'argent. Mon MBO Billy, tu as quel argent? Tu n'as rien. T'es qu'une merde. Ta tête. Va d'abord sauver ta collègue, ta coucou là. Va d'abord la sauver. Comme ça, on va comprendre que oui. Au moins, on aurait cru, par exemple, que tu allais envoyer même 1000 euros. Parce que si tu envoyais même 1000 euros à coucou, même coucou a compris que tu es une barre. même coucou, la folle là. Coucou, je ne sais pas contre toi, mais c'est parce que tu fais ça parfois des choses bizarres. Parce que logiquement, toi-même. Je veux venir sur toi. Même coucou, quand tout le monde dit que même coucou a compris que t'es une marmailleuse. Ton piment là, c'est zéro. C'est dans ta tête. Ta richesse là, c'est dans ta tête. Tes voitures là, c'est dans ta tête. Tout ça là, c'est dans ta tête. Tu ne vas jamais détourner les enfants des gens. Ceux qui sont, en fait, c'est les gens sensibles qui ont la pauvreté morale qui vont te suivre. Moi, je te le dis. Parce que nous, l'État dit des femmes de valeur. Une femme qui sait qu'elle se lève le matin, elle doit aller travailler. Parce que dans la Bible, Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front et non à la sueur de ta chatte. Tu comprends? Donc tu comprends que tu es à côté de la plaque, tu es perdu. T'es qu'une merde. Moi, je te le dis en vérité. Et moi, chaque fois que tu vas faire tes sorties de merde, de piment, de promotrice, faites vos conneries là-bas. Mais c'est quoi ça?
C'est quoi ça? Tu te prends pour qui là? On les a. Tu arrives, les enfants des gens, peut-être ceux qui sont en Afrique là-bas, on va. Et elles vont voir tes vidéos, on va croire que tu es une personne. C'est comme ça, c'est vous qui détournez les enfants des gens. C'est vous qui faites en sorte que les gens prennent la mer. C'est vous, c'est les gens comme vous. Tu ne peux pas dire que ouais, voilà mon frère, ma soeur. Voilà, il y a les hectares de terrain au Cameroun. Nous allons construire. Nous allons faire les champs, nous allons faire ceci. Tu es parti au Cameroun. On a vu quoi? Là, je vais aller acheter un terrain, une salle menteuse comme ça. Il y a tes cousines là, si tu aimes tes soeurs et frères, fais les écoles dans ton village, fais les internats. C'est-à-dire, c'est ce genre d'œuvre que nous voulons de vous, les pimentières. Vous êtes toujours en train de racketter. La sorcellerie du piment vous a déjà envahi. Parce que comme vous êtes là, les hommes avec qui vous couchez vous laissent les démons. Les milliers de démons, parce que vous n'allez pas me dire qu'une femme normale, en une journée, tu en fait je vais vous dire, mes frères et sœurs, t'as dit, chaque acte sexuel, c'est quelque chose de très dangereux. Chaque fois que vous pratiquez les rapports sexuels avec quelqu'un, la personne, si la personne a les mauvais esprits, ces mauvais esprits reviennent sur toi. Et imaginez maintenant une personne qui prend pour métier le piment. Imaginez combien. C'est les Belzibout. Habillés en Prada. Les Belzibout. Est-ce que vous avez vu le diable avec les cornes? C'est des gens comme ça là. Tous les démons là sont sur elle. Et c'est comme ça qu'elle va venir détourner les enfants des gens avec la sorcellerie de tous les mauvais esprits. Les hommes qui sont dans les sectes, les hommes qui font ceci, les hommes qui font cela, et elle arrive, elle s'assoit là. Et toi, tu peux dire quoi aux gens? Attendez, j'arrive, je fais ma casserole au feu. Parce que cette sorcière, elle va faire comme ça là. Ma viande, c'est quoi ça? Il a dit qu'à chaque fois que j'aurai une seconde, t'as dit je veux te prier de mon temps, je te donnerai de mon temps. Tu comprends? Comme toi, tu donnes ton temps aux vieux. Merde! Nous sommes en. Mais tu nous ramènes dans l'esclavage, mon frère. On nous a. Hein? Est-ce que je ne sais pas quel niveau d'études tu as? Est-ce que tu as même lu déjà l'histoire du coût moyen du CO2 au Cameroun? Non, en fait, quand on parlait de les. Nous étions petits, on a regardé Kunta Kinte. Nous avons regardé Kunta Kinte. Et ça, t'as dit, ça nous donne. T'as dit, j'ai la chair de poule. Quand une jeune fille, t'es pas moche. T'es pas belle non plus. T'es pas moche parce que tu peux pas tourner les films d'horreur. Et un enfant ne peut pas te voir et dire, oh, quelle horreur. T'es une fille, t'es bien. Mais je te le dis que t'es rien du tout. Ton truc que tu fais là, les gens, les autres gens, tes grandes soeurs ont voulu faire ça. Les voilà qui sont en train de se chercher partout. Non, je ne veux pas citer les noms des autres là. Mais toi, j'ai dit toi là, comme tu veux lever un peu ta tête là, fais tes choses. Personne ne viendra te demander 5 francs. Tu comprends? Personne, moi je parle beaucoup plus pour les enfants qui sont en Afrique, les petites filles qui sont en Afrique, qui peuvent prendre la route, ou par exemple, vous êtes les petites étudiantes qui viennent en Europe pour continuer. Non, elle va te dire oui, en une semaine, je te trouve un appartement privé, un machin, une pimentière ne va jamais te prêter l'argent ou te donner comme ça. Dès que tu comprends, dit que j'ai un client, là, on fait les partout. Et c'est comme ça que vous ramenez les lesbiennes. C'est vous. Tous les mauvais esprits là, c'est vous. C'est vous les pimentières. Et t'as dit, j'ai une guerre acharnée contre vous. Je t'ai dit, je ne combats pas. Je ne te combats pas, mais je combats le mauvais esprit qui est en toi là. Parce que toi, de toi, tu ne m'as rien fait. Tu ne m'as rien fait du tout. Mais ton mauvais esprit, le mauvais esprit, tes démons, avec tous tes clients qui t'ont laissé là, c'est ça que je combats. Et tu t'assois. Avec sa voix de paysan, tu sens que, mon Dieu, sa voix, tu sais comment tu es moche quand tu fais tes trucs là, tu vas arrêter ça. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu une fille bêtise quand elle fait les manières, elle est moche. C'est la première fois que je vois ça. Qu'une fille bêtise
une fille, une femme, quand elle fait les manières, elle est belle. Mais toi, quand tu fais les manières, je ne sais pas si tu as regardé les gens qui te regardent. Parce que je t'ai observé, je regarde, je dis, mais attends, dis à maudit, et tu fais quoi comme ça là? Tu savais comment tu étais moche quand, c'est-à-dire, quand tu fais tes manières là, tu as dit tu allais arrêter tes conneries là, et tu allais vendre ton piment là-bas, inbox avec tes vieux croulants sorciers, rosocristiens et tous ces gens. On ne sait même pas parce qu'on vous connaît, vous les prostituées. Vous avez un mensonge pas possible. Une prostituée, elle a un oreille, va te dire que j'ai 10 millions d'euros. Va d'abord aider Coucou. Coucou, elle comptait tellement sur toi. Là, voilà une âme sensible qui allait la prendre. Elle allait dans son HLM là. Pourquoi tu... Là où tu es en vacances, là, mais ça, tu veux dire que ma coucou, voilà. Tu vas aussi prendre un appartement privé. On voit comment tu baignes dans le bonheur. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Si tu as un problème, moi, je vais t'aider. On cherche un pasteur. Je te donne des jeunes spirituels parce qu'il te faut les jeunes spirituels. Ou tu vas même à Lourdes là-bas où les gens prennent les bénédictions. Pourquoi on essaie un peu de diminuer tes démons là? Parce que c'est chaud. Ma, c'est chaud sur toi. Parce que l'effet de voir les banzizi, ça monte sur la tête. C'est malheureux. C'est sûr que chez toi, tu ne dors pas bien. Que tu te lèves comme ça. Les démons comme ça remplis. On va prier pour toi, ma. Moi, j'ai compris ton problème. Et voilà pourquoi je fais cette sortie aujourd'hui. C'est pas parce que je te déteste pas toi, mais le mauvais esprit de ce qui est en toi. C'est ça que moi, je combats. Tu comprends, non? Donc, laisse-nous les conneries à deux balles là. Les piments! Tu connais? Je te dis, le piment, c'est l'ancien métier. Le long, t'as dit, du monde. Depuis, t'as dit, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, il y a eu les pimentières. Tu vas dans la Bible, tu vas lire. Tu lis la Bible. Parce que la Bible, c'est le plus grand livre du monde. Qu'on dise quoi? Hein? Tu crois que ces femmes-là, tu as déjà vu qui a eu la médaille d'or du piment? On va parler de aussi ces manimes, comment elle s'appelait. Tous ces gens-là, regarde tes soeurs du pays, tes petites grandes soeurs du pays, qui sont en train de se caser. Cherche-toi un jeune Camerounais. Toi aussi, tu commences à faire genre. Parce que tu ne vas pas t'en sortir. Parce que tu es déjà poupée gonflable, gilet de sauvetage, Natacha Zambor, mon azout. Tu es comme un gilet de sauvetage maintenant. Si je te jette, on te jette. Les gens vont oh oui. Boum, 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 parce que même si tu te noies, tu ne pourras pas te noyer. Tu boum, 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 boum. Les gonflés. Franchement. Donc, moi, je t'ai dit que je vais te craquer. Je vais te craquer. C'est pas pour le mal, c'est pour ton bien, ma chérie. C'est pour ton bien. Parce que faut pas amener les mauvais esprits là partout. Nous avons les enfants, nous avons les familles en Afrique. Nous avons des enfants, des petits-enfants qui sont dans les universités, qui veulent aller à l'école. Nous n'avons pas besoin qu'une machin ou je ne sais pas qui t'a gâté comme ça, ou ce sont tes parents, ou toi-même, parce qu'il y a les enfants que on leur donne une bonne éducation à la maison. Ils disent non, moi je préfère le piment avec sa petite bouche là qui est... T'as dit, tu t'es regardé quand tu fais tes manières, là. Tu es moche. Mieux tu restes une fille normale. Mieux reste bien. En fait, bien reste normal. Tu vas voir comment tu seras belle. Tu vas voir comment tu vas. En fait, tu vas. Mais je te jure que. Je te jure. Bah, c'est nous qui t'observons. Parce que quand toi, tu fais tes trucs là, tu crois que. Ou tu as fumé le bangao. Parce que vous là. Vous ne pouvez pas faire ça sans être drogué. Je parle ça avec acharnement parce que je vois mes compatriotes ici qui se retrouvent dans la merde parce qu'au départ, le piment est bien. Au départ, tu trouves que oui, non, ça c'est trop facile, mais vous savez ce que le diable fait souvent? Le diable t'attire, il t'attire, il t'attire, il t'attire, il t'attire. Quand tu es déjà au fond, il te laisse alors. Après, maintenant, tu commences à devenir folle. Après, on va récupérer tes enfants. Après, on va dire, faites les litchis. Faites votre mona. Moi, t'as dit ta qualité de personne, là, il dit que ouais, c'est un trou, on te jette vite. T'as dit, on te jette vite. Vite, 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 vite fait. Donc, il est temps. Il est temps. Comme tu dis que tu es chef d'entreprise, le peu que tu as cotisé depuis que tu as commencé ton piment, on ne connaît pas depuis combien d'années tu es dans ton piment. Si je ne sais pas l'âge, à quel âge tu as commencé,
Mais je te dis stop. Cherche un travail noble. Tu as dit que tu es chef d'entreprise ou tu es quoi, tu es machine, tu fais dans l'immobilier. Concentre-toi un peu sur toi. Pardon, tu as dit fais pause à tes fesses. Fais pause. Mets un peu pause. Fais respirer un peu ta. Fais pause parce que le corps, notre corps-ci, c'est là où l'Esprit Saint habite. C'est le temple de Jésus-Christ, le corps. Hein? Parce que Dieu est esprit. Et s'il n'habite plus en toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui habite en toi? C'est les démons. Donc tu es une incarnation de Belzébuth. Rien d'autre, ma chérie. Rien d'autre. Tu as dit que tu es une incarnation. Et tu as dit que, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque quand Jésus est arrivé au désert, il a trouvé un monsieur qui était wow, 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 wow. Après, Jésus a pu le délivrer. Et c'est voilà pourquoi les musulmans, à cause des gens comme toi, c'est pour ça que les musulmans ne mangent plus le porc. C'est à cause des gens comme toi. Jésus était obligé d'envoyer ces démons-là à un troupeau de porcs. Et au jour d'aujourd'hui, les musulmans n'arrivent pas à manger le porc parce que il y avait des gens comme toi, parce qu'il y avait une prostituée. C'est-à-dire, ce que l'homme qui avait le mauvais esprit, là, c'était un homme aussi qui allait goûter chez les prostituées. Et c'est comme ça que les mauvais esprits se sont propagés. Et maintenant, toi, tu arrives sur Facebook. Tu es directrice du piment. Je te dis, il est encore temps. Dieu t'aime. Et c'est pour ça que j'ai ce courage. Je t'ai dit, j'ai cette obligation. J'ai cette obligation de te dire que à chaque fois que tu vas faire tes bêtises là, fais tes trucs au que tu as à l'hôtel là, machin. Et je te dis que si Dieu te parle et tu continues dans ce même sens là, ou moi je dis si ta vie est détruite, ne va pas détruire la vie des gens, des enfants des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Toi-même, tu es responsable de ta vie. Mais t'assois comme ça. Hein? Sur Internet, tu apprends aux gens, tu dis aux gens, oh mes doudous, on vous dit que le piment, machin, machin, moi, je suis une pimentière internationale. Maman, fais très attention. Parce que si un jour, c'est-à-dire un jour, de toutes les façons, tu es même déjà dans la merde. Donc, comment dire à demander pardon à Dieu pour tous les enfants que tu détournes, que tu veux détourner. Parce que c'est ça mon problème. Quand tu as choisi ton chemin, il ne faut pas entraîner les autres dans l'enfer. Si tu es dans l'enfer, reste-y. Reste-y. Mais ne paye pas les enfants des gens pour t'asseoir là. Tu commences à raconter du mensonge. Il n'y a que les petits, moi, c'est les enfants du pays. Et les gens qui vont prendre, moi, je vous dis, mais vous êtes connectés combien de 37. Moi, j'étais au Cameroun, il y avait de ces vieux blancs. Quand tu vois, tu as dit à des gens, quand ils te gâchent, j'avais la chair de poule. Les gens ont du mal, on me dit, mais t'as jamais changé. T'es toujours bien, t'es toujours belle, t'es toujours mignonne. Je leur dis, je me conserve. Là, que c'est sûr, c'est quelque chose de sérieux, mais c'est pas parce qu'un homme, tu ne sais pas quel homme vient. Quelle intention l'homme vient avec quand il vient vers toi? Peut-être que l'homme a vu ton étoile. De loin, il voit ton étoile. Et c'est-à-dire le monde, c'est vice-versa. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Et là, si tu n'as pas le discernement, du moment où tu couches avec, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça que vous allez voir les femmes. Tu la vois, elle entend, le temps est bizarre. C'est-à-dire parce que au début, c'est bien, c'est sucré. Mais quand tu te retrouves, c'est-à-dire, c'est bien, non? Qui parle même? Moi, je ne suis pas là pour parler des écarts et de... Quoi? Ouais. Attends, c'est que comme je suis en train de charger, ça me dérange, je suis obligée de déranger. Non, ce n'est pas une question d'écart. C'est une logique. Donc, ce n'est pas une question d'écart. Je ne sais même pas de quelle ville, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là pour parler des écarts et des machins. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour dire à Natacha que c'est vous là qui amenez les enfants, les filles des gens à aller mourir dans le désert. C'est vous là qui détournez les enfants des gens à ne pas aller à l'école. Va construire les écoles dans ton village. Vas-y construire les écoles et les hôpitaux. Là, on va voir que tu es une grande dame. Comme que le piment t'a réussi. Moi, si j'étais à ta place, si j'avais trop d'argent, comme tu le prétends, milliardaire dans ta tête,
l'Amazon. Tu partais avec l'argent là. Tu dis, ouais, je n'ai pas pu aller à l'école. Mais j'ai quand même fait une part de piment. Voilà maintenant. Fréquentons. Logiquement, une fille comme toi, tu serais déjà. Tout, peut-être une moitié du sud. Allez, on laisse-moi voir. Oui, on a Hôtel Monaco, Hôtel Monazout. Maintenant, tu pars au Cameroun. On te trouve à Douala. Ouais. Et toi, tu vas me parler que c'est une écran. Je sais même qu'elle est quoi. Logiquement. Ça devait être que si c'est une écran, on allait voir Kribi et Bolova, Samelima. Hôtel Monaco, Hôtel Monaco Zout. Hôtel Monaco Zout. Hôtel Monaco. Maintenant, on part au Cameroun. On voit quand Antoine Bachot nous partage les trucs. On la voit avec Longuet, Longuet. Le papa Longuet. Papa Longuet, Longuet. Hein? Donc, quand tu pars au Cameroun, c'est tout le banzizi que tous les mignons gars qui sont au pays, parce que les beaux gars qui sont au pays, man, les beaux gosses qui sont au pays, et les gars du pays, c'est des actuellement. Est-ce qu'il y a les gars encore en Beng? La plupart des vrais gars en Beng, ils vont chercher leur mari au pays. Hein? Les gars qui ont les bons postes, machin, nanani, nanana, qui ont quelque chose dans la tête. Pas les gars qui meurent de faim ou les gigolos. C'est là où tu as commencé à m'énerver. Et que même c'est là même. On comprend que tu as eu ta descente aux enfers. Mais si tu te veux te relever, mais sois un peu intelligente. Ne sois pas bête. Hein? Et moi, je viens au jour d'aujourd'hui pour te dire, réveille-toi. Réveille-toi un peu. Hein? T'es pas moche. T'es pas... non, mais du tout. T'es juste au juste niveau où... que bon, tu dois... L'entreprise, là, pardon. Quand toi, tu as créé l'entreprise, fais autre chose. Nous voulons... C'est cette émergence-là. Mais comme nous savons tous que... Au Cameroun, s'il faut aller au Cameroun, tu vas entendre soit les footballeurs... Soit les... Mais je n'ai jamais, jamais... C'est pour ça que moi, le boulot du piment là, ça ne me dit rien du tout. Jamais entendu que voilà une prostituée. Au contraire, toute la sorcellerie, si vous avez une prostituée dans votre famille, c'est elle qui est la reine. Hey. La sorcellerie, c'est elle. Parce que tous les démons là, tous les démons du Mbanzizi, c'est elle. Si vous avez une prostituée dans la famille, que vous me connaissez, que non, c'est là. Que ce soit elle... Frère, parce que dans chaque famille, il y a toujours un mauvais esprit, un élément. Et parfois, ça peut passer par les prostituées. Je dis, les gens qui ont détruit le monde, la Bible, vous allez voir, Salomon, c'est qui? C'est une prostituée qui l'a manipulée. Et vous croyez que vous allez laisser la place à cette merde-là? Elle arrive et c'est avec son... Seigneur Jésus. Elle va venir, vous allez donner la place à cette merde-là, elle s'assoit à merder les gens. Hein? Elle fait la promotion du piment. Va faire ton piment là-bas, tu mens, tu fais ton arrière, tu fais tes conneries là-bas. Ne viens pas détourner les enfants des gens. Tu vas voir une jeune fille, peut-être qu'elle a trouvé son bon gars quelque part. Quand elle va te voir, elle va croire que tu es une personne normale. Avant que tu es habité par les démons. Les démons du zoo, des vieux blancs qui sont en train de qui t'ont sucé partout. Je te donne combien? Je te donne pas. Je te donne plus beaucoup. Tu verras toi-même. Et peut-être toi-même, tu sais déjà ce que tu es en train de subir en ce moment. Parce que les gens, c'est bien beau quand tu es sur. Tu t'assois, dès que tu trouves un endroit, je suis à Paris. Je l'ai suivi aujourd'hui, je suis à Paris, mais coucou, j'ai dépensé 800 euros. Moi, je laisse m'envoyer le message que, mais il fallait même, envoie même un peu d'argent à Coucou qui est dehors. Je croyais même qu'elle est partie avec son jet privé pour l'amener à Monaco. Oui, Facebook, c'est. Facebook, Seigneur. Ne soyez pas sensible, hein. Je vous dis. Ne soyez pas, t'as dit, soyez charismatique, soyons sûrs de nous. Nous devons, Dieu nous a créé de manger à la sueur de notre front. Là, boum. C'est pour ça que moi, aussi aujourd'hui, je mange. Demain, je ne mange pas. Et c'est que, je ne vais pas mourir. Mais je continue à foncer. Hein? Que n'importe quel homme, il arrive là, il te propose des petites miettes. Et toi, tu es là, tu es quatre. Et toi, tu es une personne, toi. On nous montre, tu es une personne. Et on va commencer à parler au machin. On nous a. Et quand vous faites vos conneries, il faut toujours parler le français.
ne parlez plus nos langues locaux là. Parlez, parce que je ne sais même pas pour qu'elles définissent. Pourquoi vous aimez toujours parler des langues locaux, hein? Parlez français. Parlez. Ne parlez plus nos patois. Ne parlez plus. Quand vous voulez, ni boulou, moi je vous interdis, vous les prostituées là, quand tu es une prostituée, bêtise, machin, ne parle plus ma langue parce que c'est une langue. Si le Cameroun aujourd'hui, le Cameroun berceau de nos ancêtres, quand on vous parle à l'école de Foulassi, c'était au sud. Donc c'est une des langues que vous devez respecter. Vous comprenez? Parce que c'est-à-dire, il y a des intellectuels là-bas. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Quand tu as décidé de vendre ton piment, au sud, on a le cacao. Au sud, on a des terres fertiles. Donc, quand vous avez décidé de vendre vos chattes, laissez un peu les boulots en paix. Laissez-les. Vous choisissez votre descente aux enfers. Allez! Mais laissez-nous tranquilles. Nous autres, nous voulons la paix. Nous voulons vivre en paix. Tu as tes petites pattes. Comme je suis en train de faire ma petite viande là-bas dans ma casserole, je mange à ma faim. Si j'ai de l'eau à boire, Seigneur, merci. Si les gens m'aiment, les gens doivent m'aimer naturellement. Ce n'est pas par le snobisme. Ce n'est pas parce que tu vas venir dire, oh, on m'a acheté une voiture. Tu as une voiture que, qui est avec quelqu'un. Mais elle est tellement idiote. Ici en bas, en bain. Est-ce que tu penses qu'avoir une voiture, c'est une richesse? Quelqu'un qui va faire ses courses, qui a les pieds sur terre, qui prend son bus, et toi, la personne est à l'aise. Les gens vont venir habiter chez toi. Hmm? Aide d'abord coucou. Aide coucou, coucou qui dort dehors là. Hmm? Aide coucou. C'est entre vous, les femmes des banzizi, des machins là. Les gens qui ne sont pas coucou. Aide là. C'est entre vous là. Aide un peu. Hein? Ne viens pas nous fatiguer ici. Moi, je t'ai dit, je ne veux pas te lâcher. Je t'ai dit. Parce que toi, comme ta petite t'a dit, on est tellement différentes que c'est pour ça qu'une personne comme toi ne peut pas te combattre. Il n'y a qu'une comme moi qui peut te combattre. Ton mauvais esprit là, pas toi-même. Parce que je n'ai rien contre ta personne. Mais ce que tu veux faire croire aux gens, c'est ça que moi je combats. Tu comprends un peu? Donc, voilà, sur ce, mes chers frères et sœurs, je ne passe pas longtemps les directs parce que j'ai mon fils qui est autiste et je ne reste pas longtemps dans les réseaux sociaux, voilà pourquoi. Quand j'aurai encore une seconde, je reviendrai avec Natacha Monazout. Voilà, bonne soirée.